Avec bien sûr les victoires de l'équipe de France menée par le propriétaire des champions, Antoine Griezmann. Sébastien Berger, qui nous propose donc ce plein de Diamond Boy. Diamond Boy, un fils de Mansonien, a acheté 800 000 euros l'an passé pour faire la monte en Irlande. Hein, c'est bien ça, Nicolas Palanda qui a fait la transaction. Non, je plaisante. Diamond Boy, en effet, a été bel et bien acheté 800 000 euros pour faire la monte en Irlande. Cheval très convoité et engagé la mère et la sœur de Storm of Sentry. Alors, les deux pères sont radicalement différents. D'un côté, c'est Saint-Dessin pour Storm of Sentry. De l'autre côté, c'est Lord of Fate qui n'a strictement rien à voir avec Saint-Dessin pour engager la mère et sœur d'un gagnant du grand steeplechase de Paris. Entre autres, puisqu'il s'est imposé également dans le précédent effort à 3 ans. Également le prix des dragues, le prix Mangec, le prix de la Péricole, le prix de Montbarachin, le prix Ingré, le prix Williamed. Cheval extraordinaire que ce Storm of Sentry qui a également pris de grandes places, notamment la deuxième place dans le grand steeplechase de Paris. Derrière, il y a deux mains. Le neveu d'un champion des deux sur les obstacles, Storm of Sentry, par Diamond Boy, il est ici devant vous. La mère engagée, elle a été croisée à Montmartre, elle a fait une gagnante. Elle a été croisée après à Centennial, elle a fait pas un gagnant, ce qui est normal. Après, elle a été croisée à l'Ordre du Sud. Et elle a fait la boîte de jazz, qui une fois qu'elle aura fini de fumer tous ses stupéfiants, peut-être courra. Et après, une femelle de Al-Namit qui s'appelle Hashtag Boom. Et tout ce que je dis est vrai. Alors, voilà, donc le Diamond Bay, né le 22 avril,